Nourrir les femmes fait également partie des tâches dévolues aux hommes pendant la fête. Ils s'en acquittent en leur offrant du poisson. Ce poisson que, dans le mythe originel, ils avaient oublié de leur rapporter. Une fois n'est pas coutume, les femmes feront la loi au village durant les 4 semaines que dure la cérémonie. Position du jaguar. L'affrontement est bref, ardent, mais jamais hargneux. La gagnante est celle qui renverse son adversaire, elle lui fait toucher le sol des épaules. Aucune exclamation, aucun geste de triomphe ne souligne la victoire. Telle est la coutume. Les affrontements peuvent se succéder pendant plusieurs heures, car toutes les femmes doivent y participer. Pour ces tribus à longue tradition guerrière, la lutte à main nue, appelée uka-uka, est un spectacle de choix. Traditionnellement réservée aux hommes, elle occupe une place très importante dans la vie des Indiens du Haut-Xingu, accompagnant la plupart des rituels intertribaux. Malgré les rires et la bonne humeur générale, ces combats n'ont rien d'un jeu. Nous sommes sur la terre des Amazones. Et si les femmes s'affrontent sans animosité, elles y mettent toute leur force et leur puissance. Ces femmes se battent pour l'honneur de leur tribu. La victoire finale reviendra à l'équipe qui aura gagné le plus grand nombre de combats. C'est à ces femmes que le plus grand fleuve au monde doit son nom. En effet, en 1542, Francisco Orellana découvrit un vaste fleuve où il dut livrer bataille à de farouches et superbes guerrières. En souvenir de ces femmes qui jaillirent des forêts semant la terreur et la mort, il nomma le fleuve Amazone. Après la lutte, vient le temps de la danse, rythmée par le chant Iyamurikuma. Une danse lente et solennelle qui unit les femmes des deux villages. Car ces grands rituels célébrés en commun sont avant tout l'occasion de renforcer les alliances intertribales. Quelques femmes ont coiffé le diadème de plumes jaunes symbolisant le soleil, la source du pouvoir masculin. L'astre qui, dans le mythe des Kamayura, aida les hommes à reconquérir leur place. Des hommes dont le rôle aujourd'hui se borne à celui de spectateur. Au crépuscule, la danse des femmes change de rythme et de nature. Elles vont s'approcher par petits groupes et encercler les guerriers bien tranquillement assis autour de la maison des hommes
et faisant mine de se reposer, de bavarder ou de fumer.